Le ministre de l'Économie et des Finances a effectué une visite terrain sur les réalisations du projet d'appui au développement des économies locales dans la région du Centre-Nord. C'était hier 28 juillet. Après la visite des boutiques des communes de Korsimoro et de Boussouma, Lassane Kabore a mis le cap à Kaya sur Kaya pour constater l'effectivité de la nouvelle gare routière au profit des transporteurs. Le ministre de l'Économie et des Finances et ses partenaires ont octroyé des crédits de 450 000 francs CFA à des innovateurs. Le film de tout cela avec Yacouba Kouala. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est l'accompagnement du projet d'appui au développement des économies locales au profit des populations de la région du Centre-Nord. À travers ce projet du gouvernement burkinabé, pour freiner la pauvreté dans les collectivités, les commerçants de Korsimoro bénéficient de 50 boutiques et ceux de Boussouma, 30 boutiques plus un magasin. À Kaya, une gare routière moderne est mise à la disposition des transporteurs. Le ministre de l'Économie et des Finances constate de visu la réalisation de ces infrastructures. Toutes ces infrastructures visent justement à permettre aux différentes communes, aux différentes collectivités, d'arriver à une certaine autonomie financière. En plus du fait qu'on accompagne les populations, cela permettra justement à ces collectivités-là de disposer de moyens et de pouvoir, justement, sur la base de l'accompagnement de l'État, pouvoir justement continuer sur certains autres projets qu'on continue à financer. Et j'avoue que depuis le matin, nous sommes émerveillés par rapport à la qualité d'abord du travail qui est fait et par rapport à au deadline et au respect des contractuels. C'est une grande joie pour la population de Kaya. Et le conseil municipal d'accueillir quand même ce joyau au compte des activités programmées par le PADEL. Nous avons choisi comme priorité la construction de la gare routière qu'on a posé la première pierre depuis le 3 septembre passé. Nous voyons que réalité aujourd'hui. Avec le petit terrain du ministre de l'Économie et des Finances, le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes a apporté son soutien à 174 femmes de la commune de Kaya. Chacune d'elles a reçu 450 000 francs CFA pour améliorer son commerce. Nous allons rembourser en 8 mois 495 000 francs. C'est bon. Il nous a de la gestion du crédit. Donc, on ne voit pas d'inconvénient. Au terme de cette visite, le ministre de l'Économie et des Finances a remis des vivres d'une valeur d'un million de francs CFA aux déplacés internes de la commune de Kaya.